Kia dévoile ses plans pour un tout nouveau véhicule modulaire au CES 2024. On dirait les véhicules Canoo un peu, ça ressemble. Le Kia Concept PV5 est un fourgon modulaire basé sur des vidéos du véhicule. La présentation de Kia a révélé que le Concept PV5 est un fourgon polyvalent offrant de nombreuses utilisations, notamment les services de covoiturage. Ça peut également aider l'expédition de colis, y compris le chargement et le déchargement de livraison. Le Kia Concept PV5 s'adressera également à différents types d'utilisateurs, y compris les personnes handicapées. Selon Kia, son activité PBV est l'aboutissement des ambitions de sa société mère Hyundai Motor Group en matière de robotique, d'advanced air mobility et de conduite autonome. Les PBV Kia sont une solution de mobilité totale qui combine des véhicules électriques adaptés à leurs besoins avec des solutions logicielles avancées basées sur la stratégie de logiciel pour tout, ou SDX, du groupe Hyundai Motor. En tant que plateforme au-delà de véhicules, les Kia PBV ouvriront la porte à de nouvelles activités et modes de vie en redéfinissant le concept d'espace grâce à des technologies avancées. Ok. Voyons la vidéo teasing, le petit teaser, 2 minutes 50, ouais, quand même. Kia PBV? Wow, on What's se that? calme, on se calme. And what can What you is do? that? Ah, c'est pas très beau quand même, hein. On dirait des canous, quoi. Accessible and convenient for all, right? So it's really that Je sais easy pas to si la go musique va striker là, fait chier. anywhere I want? Ce chat. Hey Kia PBV, we are heading home because I've been thrown out of the museum. Et du V2L, logique. So you're better at loading cargo, huh? Next, you'll be telling us you know better routes too. On dirait une Citroën Ami à droite. Hein. Il y a un air. I'm guessing you can't just magically turn into something totally different, right? Kia PBVs, an all-set answer to all your mobility needs. Welcome to the world of Kia PBVs. All set for every inspiration. Ok, bon, bah, c'est pas mal hein, pour les utilitaires et les livreurs et tout, c'est pas mal. Hein. Franchement, ok. Qu'en pensez-vous?